Salut à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Les Enfants de l'Absurde. Aujourd'hui, c'est le festival Ciné Pride qui se déroule à Nantes, entre autres. Il y a d'autres villes aussi où on célèbre la communauté LGBT. Et l'Absurde Séance a décidé de fêter un petit peu ça avec un film qui n'était jamais sorti en France, qui est sorti en 1998. Qui a une diffusion sur Canal+. Tout à fait. Et donc, qui s'appelle Gods and Monsters, ni Dieu ni démon en français, comme quoi on ne sait toujours pas traduire les titres anglais. Mais ce qui paraît, il y a un autre titre qui est Of Gods and Monsters. Ouais. Ah, ça va être intéressant. Mais ce n'est toujours pas pertinent pour ce qui est de la traduction française. Enfin bref, c'est un film de Bill Condon qui a été réalisé donc en 1998 avec Ian McKellen, grande figure de militantisme gay en Angleterre et aussi excellent acteur shakespearien, et Brendan Fraser Le Georges de la jungle à tous, c'est voilà. ça. Voilà. Mais, ou la Mais momie. aussi, voilà, la momie, c'est quand même plus Ou les prestigieux. Looney Tunes contre-attaque. Ou Voyage au centre de la Terre. Ou Non, Voyage au ouais, centre de aussi, la il était Terre. dans ça. Bon, bref. Enfin, bref. Que des perles, que des chefs-d'œuvre du 7e art. Brendan Fraser, La momie, c'était bien. Bon, enfin bref. C'est le moins pire, on va dire. Puis comme ça, c'est vous qui allez commencer en donnant vos avis. Toc. Peut-être un résumé d'abord. Oui, pardon. Fabien, Oui. tu t'y colles? Bien sûr, on va suivre les derniers jours de la vie de James Whale, je me trompe Wall. pas, qui était le réalisateur La fiancée de Frankenstein. La fiancée de Frankenstein, C'est le film le plus entre montré, autres. mais Ouais. il a fait d'autres trucs. Donc Frankenstein, l'âge d'or d'Hollywood. Oui. Et du coup, le film va évoquer un peu sa carrière et va aussi évoquer plus ou moins l'histoire d'amour et la relation qu'il va avoir avec son jardinier, qui est joué par Brendan Fraser. Un beau jardinier bien musclé. Voilà, Qui lui par contre n'est pas gay. ses souvenirs du passé et qui vont le hanter sur le fait qu'il a fait partie de la Première Guerre Première Guerre mondiale. mondiale. Voilà. Et que donc il faisait partie du Gotha gay d'Hollywood. Exactement. À l'époque où tant qu'on n'attirait pas la presse, eh ben, on n'attirait pas le scandale. Exactement. Alors ben, Fabien, ton avis? Je m'attendais, quand j'étais voir le film, je m'attendais à rien de. J'avais pas d'attente particulière. Je dirais pas que j'ai été déçu, mais voilà, le film est passé bien, mais j'ai pas été spécialement emballé par le film. Le casting marche plutôt bien. Je vous disais, voilà, ce qui marche le moins bien pour moi, c'est l'alchimie entre. L'ensemble des comédiens, je trouve que la chimie, il y a un truc qui fait que pour moi, c'est le film ne m'a pas touché, n'a pas marché autant que le propos aurait pu être touchant. Parce que certes, oui, à la fin, on a quand même une sensibilité plus ou moins particulière qui peut se développer face à l'histoire qu'on a pu vivre. Mais je l'ai trouvé dans d'autres films beaucoup, beaucoup mieux, Ian McKellen, mais je pense que c'est de la chimie en général. Après, le film reste très classique dans un sens. Il y a quelques maladroitesses par moment au niveau de la mise en scène, on en reviendra plus tard, mais voilà. Dans l'ensemble, c'est un film qui se regarde, mais qui pour moi ne me restera pas en tête longtemps, je pense. Valentin? Ben, c'est bien, j'aime bien ce genre de cinéma. C'est pas un cinéma qui est extraordinaire, tu l'as dit Fabien, et t'as raison d'appuyer là-dessus. C'est un cinéma qui a pas du tout d'ambition, étrangement. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un film qui est plutôt tendre, qui a beaucoup d'affection pour ses personnages. Et Bill Condon, voilà, c'est un metteur en scène qui a eu énormément de mal à s'imposer, surtout dernièrement, puisqu'il est surtout connu pour avoir réalisé les deux derniers volets de la saga Twilight. C'est mieux que Donc, Twilight, hein, ne vous inquiétez pas c'est quand même. largement mieux que Oui. Twilight. On est plus là, on est plus dans le rapprochement si on devait faire un espèce de parallèle. On est plus dans le style de Mr. Holmes qui vient juste de sortir en salle Avec Ian McKellen. que dans le style de Twilight. C'est-à-dire que c'est un film qui est extrêmement classique, qui est gorgé de classicisme dans sa structure et dans sa manière de se concevoir. Mais ça reste joli parce que ça se repose sur des personnages qui ont, on va dire, un quota d'appréciation auprès du Non, mais. spectateur qui est vraiment touchant. Ils sont attachants, ouais. Ce qui fait que ils ont tous leur petite personnalité. Et après, on en parlera parce que Brendan Fraser, c'est une quiche et il a le charisme d'une huître, ce mec-là. Mais l'idée du rapport entre les deux personnages est plutôt bien amenée parce que Fraser et McKellen sont deux acteurs qui ont deux carrières totalement différentes. Et le rapprochement entre les deux est plutôt bien amené dans le film, j'ai trouvé. Mais après, voilà, le film Et manque de justesse. après, si je peux juste rajouter, moi je trouve que ça peut classer forcément dans un style biopic, un petit peu, et je trouve qu'il tombe pas dans cette facilité, en fait, même si on connaissait pas le réalisateur, même on aurait pu faire on aurait pu donner un autre métier à ce personnage-là, Oui. le côté biopic, c'est pas le point de départ, je pense, du film, en fait.
Non, c'est un film l'histoire. humain. Ouais, c'est C'est un plus film humain. l'humanité et l'histoire d'amour, plus ou moins. Et puis c'est un des rares films que Condon a écrit au niveau du scénario, parce D'accord. que c'est un mec qui a tendance plutôt à déléguer l'écriture à d'autres personnes. Là, il a vraiment pris le temps d'écrire. Donc il y a un film. Classicisme, mais pas dans, dans le genre du biopic en tout cas. Moi, voilà, c'est ça. C'est plutôt un classicisme dans le traitement des personnages, Exactement. Dans la manière de se concevoir en tant que film. Et toi, Mathieu? Bon, bah, maintenant c'est mon tour. Alors, moi, ce que j'ai retenu de vous déjà, c'est que vous avez dit que vous n'attendez rien de ce film. Après, on avait vu donc la bande-annonce avant dans d'autres séances. On l'avait vu deux absurdes séances avant, je crois. Voilà, tout à fait. Ils l'ont choisi assez tardivement, le film. Mais donc moi, j'ai souvent un problème. Quand il s'agit d'un film, surtout dans un festival engagé, c'est qu'on se retrouve avec ce que j'appelle un film de propagande. C'est-à-dire un film qui a un propos, qui l'argumente, bien sûr, mais qui ne donne aucune largesse, aucune possibilité d'avoir un avis divergent. C'est le gros défaut que l'on a avec les films gays et lesbiens français en particulier. Ben, récemment, c'était la belle saison qui m'a beaucoup déplu parce que il y avait c'est un bon film, mais il manquait une scène en particulier qui aurait permis de ce film presque d'être un chef-d'œuvre. Je le prends comme ça. Là, j'ai été agréablement surpris parce que la bande-annonce me laissait croire que ça pourrait être un film de ce genre-là, Gods and Monsters. Et en fait, non, c'était vraiment, comme vous l'avez dit, un film de fin de vie, un film tendre, un film pas mal réfléchi. J'ai apprécié certains éléments de mise en scène. Et ce n'est pas un film, justement, pour dire « Oh, les pauvres gays sont opprimés ». Là, au contraire, déjà, c'est honnête sur un point, c'est que Hollywood, effectivement, comme l'ensemble des lieux de pouvoir en sens large, c'est un lieu où il n'y a pas vraiment de limite morale à partir du moment où c'est caché. Donc pas seulement, c'est bien dit dans le film, c'est pas seulement l'homosexualité qui est représentée, il y a aussi George Cukor qui est montré dedans, et il y a une scène qui est excellente entre le personnage de James Whale, donc joué par Ian McKellen, et le personnage pour George Cukor, qui est un autre réalisateur. Mais surtout, même les hétéros montrés dans Hollywood sont à égalité avec les homos. C'est-à-dire, lorsque un hétéro fait des orgies, c'est dit aussi. En fait, le parti pris n'est pas vraiment parti pris. Voilà. C'est honnête, ce côté honnêteté. Et même le personnage de James Whale, qui est donc le héros, le protagoniste, aussi n'est pas montré comme étant une sorte de saint sacrifié, martyrisé. Au contraire, c'est quelqu'un qui assume d'être homosexuel, que ce soit mal vu et que ça puisse, entre guillemets, puisse être quelque chose de pas bien, c'est même pas au niveau mal, c'est au niveau juste, effectivement, ce n'est pas ce qu'il faut. Bah, il est traité un peu comme ça pourrait être pourrait être un défaut, en fait. Voilà, c'est un peu comme la vision de sa bonne, en fait. C'est un peu, elle dit, bah ouais, il est comme ça, il fait ça, mais c'est son défaut. Mais sans aller jusqu'à c'est un peu ça, tu vois. C'est son défaut, mais quand même, elle l'aime bien et elle espère que, elle espère que Dieu l'accueillera dans son paradis, etc. Parce que, effectivement, c'est un homme bon à la base, tout simplement. Et justement, ce côté-là, côté pas moralisateur, ça change tellement par rapport à ce qu'on a en France. Moi, j'étais très content. Non, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Ouais. Ta vision est juste. Du coup, le scénar, donc de Bill Condon, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'après un bouquin d'un certain monsieur Bram, mais je n'ai pas réussi à me souvenir du prénom. Non, je sais plus. En tout cas, oui, c'est une adaptation d'un roman qui raconte donc les derniers jours de la vie de James Whale. C'est Father of Frankenstein, le titre du bouquin, si j'ai bien retenu. Mais oui, ça, c'est très librement inspiré, visiblement, de ce que j'ai vaguement cru voir. C'est-à-dire qu'en gros, le bouquin est plus centré sur la fin de vie du personnage qu'il était. Alors que là, le film entretient vraiment un rapport très intime entre la relation que vont entretenir le personnage du jardinier et le personnage de James Whale. Donc, en tant qu'adaptation, on ne peut pas trop le juger, malheureusement, parce que je crois qu'aucun de nous n'a vu le bouquin. Voilà. Bah, déjà, je ne connaissais pas trop le film. Donc, je ne connaissais même pas le film, en fait, à la base. Donc, je n'ai jamais entendu parler spécialement. Mais en tant que scénario, je trouve le scénario tout à fait, tout à fait intéressant. Il est classique, comme tu l'as dit. Et il est honnête, je veux dire, il va... Il n'y a pas de défaut dans le scénario non, lui-même. Non, c'est pas le scénario qui m'a gêné. Le seul petit défaut que j'aurais à reprocher quand même à l'écriture, c'est qu'il y a des moments où elle est trop didactique. C'est-à-dire qu'elle va trop se découper par instant, où c'est genre telle scène, puis telle scène, puis telle scène, puis telle scène. Il n'y a jamais une espèce de continuité qui se crée vraiment, et il y a vraiment... Enfin, c'est assez fermé dans un c'est sens, et ça ne veut pas fait. Assez s'ouvrir. Voilà, c'est limite, extrêmement chapitré à un point où ça se contredit un petit peu avec l'ensemble de la narration et du propos du film, ce qui est un petit peu dommage.
qui fait qu'on se retrouve avec un film qui est ultra didactique sur un sujet qui ne devrait pas être didactique. Si, c'est juste peut-être, après, bon, c'est une histoire de scénario ou de mise en scène aussi en même temps, c'est le fait que j'ai compris très tard, ou je sais pas si j'ai compris très tard, mais je l'ai compris en fait assez à la fin, la métaphore entre la création de ce nouveau monstre en fait pour lui, qui est Brendan Fraser, donc la métaphore avec sa création de son personnage pour Frankenstein. Et je l'ai compris au moment où il y a cette séquence où il lui saute dessus à la fin qu'il lui aurait sorti une réplique, je sais plus laquelle c'est, mais voilà. Et j'ai compris trop tard et je pense que ça aurait, si ça aurait été amené avant ou initié un petit peu avant, ça aurait été encore plus intéressant leur relation de savoir est-ce qu'il voit pas cette personne comme un personnage qui pourrait faire partie de sa vie ou juste une personne qui a fait partie de sa vie. Le basculement entre personnage et personne en fait. C'est à quel moment je l'ai vu ça? Non. Quand j'ai vu la gueule de Brendan Fraser. Ah ouais, parce qu'il a la même tête que Frankenstein. Oui, parce qu'il joue même ils ont vraiment foutu et fait en sorte qu'il ait la même gueule que Frankenstein. C'est-à-dire il a les cheveux complètement hérissés vers le haut, il a un crâne qui est particulier. Il dit même que son front et son... Il a un très grand front. Mais j'ai pas fait le rapprochement à ce moment-là, moi, en fait. Moi, c'était entre vous deux hein, que j'ai fait. Bon, voilà, et je trouve que si ça aurait été. Personnellement, ça aurait été amené un petit peu avant ou un peu plus directement, on aurait pu être plus se pencher sur cette vision-là du film et de la relation. Voilà, c'est un parti pris, mais le scénario n'est pas mauvais en tout cas. Non. Ouais, pas grand chose à dire. Non, le scénario. En fait, c'est la mise en scène en même temps, c'est là où il y a le plus de choses à dire, bon comme mauvais. Parce que Condon, c'est un mec qui a vraiment évolué en fonction de ses films. Ça se ressent vraiment dans celui-là. Dès le début, il y a une espèce de facilité de création esthétique, rythmique et dynamique qui est assez déconcertante presque. Le tout début du film. J'ai pas réussi à rentrer dedans au début parce que les premières scènes, c'est monté par un mec qui considère que une action, un plan, cut montage. Une action, un plan, cut montage. Une action, un plan, cut montage. Et ça donne des trucs qui sont pas du tout dynamiques. Et la scène d'intro, par exemple, ouais, c'est quand on voit le personnage de Brendan Fraser qui prend sa bagnole et qui part chez James Whale, elle est pourrie. Parce que vraiment, il n'y a aucun travail de montage, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune manière de créer, on va dire, quelque chose de nouveau, et on est sur du didactique. Et moi, ça m'a vraiment dérangé. Bon, après, le film arrive à s'en dépasser par pas mal d'instants, mais le début, en tout cas, est vraiment foiré au niveau de l'introduction du personnage, parce qu'on se retrouve avec un truc ultra didactique. Après, ouais, dans la mise en scène, c'était l'époque qu'il voulait aussi, c'est les techniques d'utilisation de zoom, de caméra ou non. Qui vont amener, qui vont être là pour force, pas forcer, mais pour amener la dramaturgie. Et puis, même par moment, tu la vois carrément partir. Hop, allez. Donc, tu sais qu'il va dire un truc très triste ou très touchant à ce moment-là. Et je trouve que par moment, ouais, c'est un peu mal amené, un peu mal. Mais même les transitions par moment qui sont trop assez. Lacrymal, tu veux dire, ouais, c'est trop dans le pathos. Hein. Ouais, on est un peu dans le pathos. On est un peu dans ce côté-là. On va un peu dans l'époque les 90, c'était vraiment typiquement les bases et les standards du montage, des transitions, des effets de caméra. Pour le coup, le film a extrêmement mal vieilli parce que au début, je connaissais pas la date du film, j'aurais dit 92, 93, en fait c'est 98 le film. Ouais. Donc il a extrêmement mal vieilli. C'est... Par contre, Ian McKellen, lui, n'a pas vieilli du tout depuis cette période-là. Il n'a pas pris une ride. Ce mec-là ne prend pas de rire. Ce mec-là ne vieillit pas. Il a toujours été vieux. Vous ne vieillirez pas. Il a toujours été vieux. Il y a une maquille. Ouais. Bon, ouais, j'ai rien à dire sur la mise en scène. Moi, les défauts, alors, bon, vous avez déjà dit pas mal de trucs. Moi, c'est un truc qui m'a dérangé. C'est que pas mal de fois, le point n'était pas fait. Ouais. Et on avait une image floue. Alors, très floue à l'arrière. Et floue un petit peu sur le visage. C'était dérangeant. Enfin, pour ça, je dirais que la qualité de projection aussi n'était pas extraordinaire pour le coup. On devait être sur du DVD quasiment. Ouais, mais il y a un plan moi qui m'a marqué. C'est vrai qu'il y a un contre-champ sur Yann Wiesch, mais il y a Mekel en portrait. Je vois de quel tu veux parler. Paul, il est vraiment plus repéré. Il est complètement flou. Après, Mais aussi, sinon, moi je respecte le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire il a aucune prétention, donc résultat, on voit les erreurs, on les constate, on en tire quelque chose. Mais on n'est pas déçu pour autant en fait. Et étrangement, pour autant, ça nous frustre pas, on n'est pas en train de se dire ah putain, là il aurait pu faire un meilleur plan, on se dit simplement ah bah c'est dommage, mais le reste est bien montré quoi. Le rapport entre les personnages est intelligent, le travail de la colorimétrie et le travail de la lumière est plutôt bien, il y a 2-3 scènes qui sont assez justes, il y a des rythmes à certains moments comme par exemple les séquences de peinture qui sont plutôt bien foutues au niveau de la mise en scène et au niveau du travail des cadres, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez intelligents pour remonter quand même la cote du film et faire en sorte que quand on arrive à la fin on se dise pas le film aurait pu être autre chose, on se dit simplement le film est ce qu'il est et s'assume en tant que tel. Donc il avait gagné un prix du scénario, c'est ça? Oui, mais Oscar du meilleur scénario. Oscar du meilleur scénario et Ian McKellen qui avait gagné un prix aussi.
Ça, Ça, je crois pas. Il avait une nomination. Non, une nomination. Ouais, il avait Oui, une c'est quand il a nomination. gagné Il a un eu prix que scénario. le, il a eu deux Oscars, mais McKellen l'a pas eu et c'est scénario et je sais plus quoi l'autre. Ouais, scénario. C'est quand même, c'est curieux parce que bon, scénario, il reste quand même très classique. Bah oui, mais étrangement, 98, je crois que c'était pas une grande année niveau Oscar. Faudrait Après, si on vérifier, devait parler de classique avec les résultats du festival de Cannes, bon. mais. Bon. Bref, avec la bonne arrivée, c'est Acteur. notre faute. Acteur. Donc, Ian McKellen, Brendan forcément, Fraser, Brendan Lynn Fraser. Redgrave. Ça, c'est surtout les acteurs principaux. Voilà. Qui jouait Anna. Ensuite, il y avait Lolita Davidovich, Davidovich. qui joue Betty, Lolita Davidovich. Ouais, après, ouais, Kevin j'ai un... O'Connor. Et les autres n'ont pas de Ouais. photos, donc ils sont pas si... Ah si, ça va arriver. Enfin. Ouais, non, maintenant on retient eux, parce que Moi, eux, de toute je façon, retiens surtout les trois les parce que les trois, autres, ils ouais. sont vraiment extrêmement C'est secondaires, très quasiment secondaires. un huis clos, puisque tout se passe quasiment dans la maison de James Whale et dans son atelier À de part la peinture, séquence où puisqu'il y a ils vont une... chez À part les la... séances Ça y de est, une bar. fameuse sortie, Ouais, ouais. la fameuse Mais, sortie. et Celle-là Mais aussi. Fraser, moi je suis désolé, mais c'est un acteur qui est assez mauvais quand même. On a beau dire ce qu'on veut, mais là, dans le film, il est pas bon, quoi. Il a le Non, il charisme est... d'une huître et il arrive jamais à donner assez de force et candeur à son personnage qui devrait être un, on va dire, pas un Ouais, imbécile mais heureux, mais pas loin. Il devrait il être a... limite montré comme quelqu'un de niais qui comprend pas vraiment ce qu'il fait là et voilà, qui est un peu perdu On le et. découvre pas tôt, mais c'est que le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment d'évolution Ouais. dans sa façon d'être par rapport au personnage de Ian McKellen. À la limite, t'as le dernier, la dernière séquence, Oui. avec son, avec sa famille, à la limite Oui, peut-être. voilà, mais c'est la toute dernière Mais ouais, séquence t'as quoi, du l'impression film, qu'ils ont tourné c'est-à-dire que ça un an après, finir sur une découverte du personnage Ouais, central, c'est ça. c'est un T'as petit l'impression qu'ils l'ont tourné peu. un an après, ou alors du coup, voilà, sois plus sympa, fais voir que t'as été papa, machin et tout. Mais Bref. après, sinon, McKellen est vraiment Moi excellent. j'ai Mais... aimé. T'as aimé T'as aimé? Fraser? J'ai aimé Fraser T'as dedans. aimé son corps? Non. Ah. À vous, t'as aimé son corps. Non. À vous, t'as aimé quand il était torse nu, Non. qui saute dans la piscine. Non. Désolé. Non. Non, t'as aimé. Non, mais après, voilà, je dis pas que c'est qu'ils étaient une honte, mais J'ai apprécié son jeu. c'est Moi, j'ai pas trouvé que son ça. personnage, il le jouait bien. Et, enfin, moi, je. Alors, c'est Ian McKellen qui excellent de bout en bout. Donc là, c'est avec lui que je suis rentré dans le film. Mais Brendan Fraser ne me l'a pas fait quitter. C'est avec lui. Ah mais non, mais il me l'a pas Non, fait quitter non plus, moi, le film. C'est non, juste mais que je c'est trouve que c'est juste. un pas très très bon acteur. Mais les seuls trucs que j'aime avec Brendan Fraser, c'est la momie. De toute façon, tout Moi, le reste avec Fraser, je ça trouve que restera Georges c'est. de la Jungle, moi, mais bon, après. Enfin, parce Ouais. que ça quand j'étais gosse, j'adorais ce film-là, mais bon, avec du recul, je me suis dit, hier soir, en le revoyant, je fais, putain, c'est Ah vrai qu'il a quand si, même pas évolué, en il y a un fait, film tout. aussi où il se fait manipuler par une meuf qui veut absolument Oui, coucher avec lui. c'est Endiablé. Voilà, Endiablé. C'est le seul truc Et sympa-potable avec. c'est pas une meuf qui couche avec lui, c'est le diable. Oui, Bon, c'est ça. Mathieu, la Oui, filmo qui complète de persifle. Brendan Fraser, si vous voulez. Non, pas complète. Pas vraiment, pas vraiment. Je déconne. Du coup, bilan? Bah, une petite soirée, absurde séance, pas désagréable, mais pas transcendante. Ouais, non, c'est pas un film qui va me marquer personnellement. Après, dans la filmo, Ian McKellen, ouais, il va en faire partie dans un des films les plus intéressants avec lui, mais voilà, ça reste un film à voir, mais pas immanquable et pas forcément mémorable pour moi. C'est ça. Je pourrais j'ai plus à rajouter. Non, mais Ça. c'était une bonne petite soirée, pas Voilà. exceptionnelle, ambiance un peu pantouflarde de l'absurde Ouais, séance, c'est vrai que là, on n'a pas eu mais en de même temps, le douche. film est fait pour, donc voilà. C'était, on va dire que dans le contexte de Ciné Pride, dans le contexte de l'absurde séance, ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait McKellen et parce que Il y avait le c'était propos un qui pouvait film servir qui à avait un lui. certain fond et voilà. Attends, plus la prochaine, du coup, Oui. qui ce sera le 23. 3, 23. Avec des portes jartelles Oh que et oui. beaucoup de maquillage. Et I'm a des Aryens bodybuildés. sweet transvestite Je pense. from Transylvania. Ah, Je pense qu'il y aura plus d'ambiance du coup, Oh oui. forcément. Oh Et oui. nous avons un devoir, trouver des déguisements pour y aller comme la tradition le veut, au Rocky Horror Picture Show. Normalement, il faut venir déguisé. Sauf qu'il Est-ce faut qu'on assumer osera? les portes jartelles. Ouais. Et ça, c'est une autre Il faut faire limite mettre une histoire. perruque, C'est hein. une Ça autre suffit. histoire. Ouais. Bon voilà, donc ce sera le 23, Donc le voilà, jour. joignez-vous à nous et puis ça sera... normalement il devrait y avoir une sacrée ambiance parce qu'il y a une grosse communauté de fans du film sur Nantes Ouais. et généralement les séances de ce genre de film sont plutôt animées. Donc ça sera l'avant-dernière Ouais. de la saison? Non, ça sera la dernière. C'est la Ah dernière. bon? C'est la Et dernière. ah, c'est la dernière, The ok. last one. Donc la dernière, donc vous êtes obligé d'être avec nous pour la dernière de Ouais. la saison avant de se quitter pendant l'été. C'est C'est-à-dire ça. que si nous on trouve les déguisements, on est obligé de venir en déguisement pour faire les enfants de l'absurde. C'est ça. Oui, limite, ouais, on va essayer. On va tout faire pour. Bon, à bientôt et puis... Et comme d'habitude, Ouch! ouche!